Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est JulienGamer32, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Eh bien écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette huitième partie sur le jeu Lego Jurassic World. Alors pour info, ça a été développé par Traveller's Tales, édité par Warner Interactive. C'est un jeu de type action-aventure plateforme sorti le 12 juin 2015 sur PC et console, et c'est interdit au moins de... déconseillé. Alors, rappelez-vous, on s'était quitté, on s'était arrêté à la mission numéro 7 qui s'appelait Arriver InGen. Voilà, on a récupéré les 10 mini-kits et la brique ambre. Donc, il faut continuer l'histoire, on va arriver à cette mission pour chasser. Et donc, comme je suis loin, je vais éviter... attendez, on va se TP directement. Voilà. Un bon feu de camp, ça se fait pas sans guimauve. Je m'en ferai bien une, là, tout de suite. Hop là, c'est par là, la suite. Donc, hop, on va aller directement à la mission qui est ici, justement. Et donc, on lance la mission pour chasser. Et on se retrouve juste après la cinématique. Allez, à tout de suite. Prendre quelque chose, hein? Alors, ravi de vous aider. Le centre des opérations se trouve juste ici, à 2,5 km du bas de ces falaises. On va les laisser dormir encore une heure. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, donc là notre objectif va être de ramasser les mini-kits, donc il faut pas se louper puisqu'on voit qu'il y a différents... Il y a deux flèches, à gauche et à droite. Et donc, sans me tromper, je vais prendre l'orientation, mais... pas me louper le mini kit. Ah ouais, c'est vrai dommage. C'est pour cela vu qu'on n'a pas de visibilité. Ah, il y a un troisième. Hop, on va rester sur la droite. Je dirais que c'est un peu de la hauteur. Ah, le voilà. Et voilà, bingo. Donc, 3 mini-kits durant cette course. Ah, ça t'apporte. Attention, il revient! Papa! N'allez pas dans les hautes herbes! Eh ouais. Il y a des petits vélos. Sans... Attendez, attendez! Regardez, je crois que c'est le sac d'Adjay. Donc voilà, mission accomplie pour la première partie. On a récupéré les 3 mini-kits du niveau. Donc on n'oublie pas de taper la suite. Enfin, on n'oublie pas de taper la borne de sauvegarde 3 fois avant de sauvegarder, justement. Pour avoir le maximum de. Pour avoir le maximum de pièces. Hein, si vous voulez. Voilà, monsieur... voilà, elle sera très bien. Quoique... Il n'y a pas la gamine? Si, il y a la gamine, c'est très bien.
Alors, on va prendre un autre personnage qui s'est fouillé. Pas que je n'en vois pas. Si, bon, même si ADN, on va prendre, tant pis, c'est pas trop... Ça fait pas trop film, mais bon. Nous n'avons point de trop le choix. Je me suis trompé. N'allez surtout pas dans les hautes herbes. Bingo, quatrième, donc il faut juste ramasser le sac du début de la deuxième partie, donc sur le côté gauche de la sauvegarde, pour trouver le sac, et ce sac à ramasser donc vous donne un chemin à faire, et tout simplement vous débloquez un mini-kit supplémentaire. Ouais, j'ai toujours les mains à pièce, ok. Oh bah attends, on va t'aider. Ouah, Malcolm, ouais, c'est bien. Malcolm en marron ou Malcolm en noir? Ou un noir en cuir? Classe. Enfin, Malcolm. Yann, Malcolm, c'est un fan. Hop, ah bah tiens, voilà un petit cœur, ça sort très bien. Un tas de merde à fouiller. Ah oui, ce tas de merde, je sais ce que c'est, je m'en rappelle. Oui, ça n'a pas besoin de faire ça, pas non plus. Monsieur Aden, lui, il aime fouiller. Et voilà. Allez, fuite T-Rex. Le T-Rex, le Vélociraptor. Mais ça pue, je sais. Bon. Alors du coup, il y a quelque chose à faire ici. Mais comment l'atteindre? Je pense qu'il faut creuser. Pour faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et bingo. Le voilà, cinquième mini-kit. Alors, ne pas oublier cette petite ouverture où il faut balancer de la piste de T-Rex pour faire fuir les campos. Enfin, voilà. J'arrive, j'aurai jamais à me retenir leur nom. J'en sais à combien, 6 sur 10. Ok. Alors, par contre, la brique ambre, il va falloir que je la trouve. Et pour l'instant, elle n'est toujours pas indiquée. Alors, attendez, je vais juste vérifier que le détecteur de brique ambre est bien actif. Oui, c'est bon. Donc c'est sûrement dans la troisième partie, on va voir la brique en vrai. Putain. QTE à suivre. Oh, en parlant de QTE, j'ai terminé hier soir Dying Light. Ça c'est du jeu. Malgré les petits bugs graphiques, franchement faites-le. Il vaut vraiment le coup d'être joué. Bon, il est certes un petit peu lent au niveau des histoires et autres, il y a quelques petits bugs, notamment au nombre de quêtes secondaires. Par exemple, il y a un succès qui consiste à terminer 45 quêtes annexes, et finalement, au final, on se retrouve avec 51 quêtes annexes. Et moi, je me suis débloqué le succès qu'à partir de la 50e, alors qu'il fallait en faire 45 pour débloquer le succès. Donc bon, c'est bizarre, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas gênant. Si on veut faire le jeu de façon à 100%, faut faire, voilà, pour quelqu'un qui suit l'aventure comme il faut, il y a toute l'histoire à faire. C'est rien que les scénaristes créent des quêtes secondaires et autres pour qu'on soit emmerdé. Alors certes, c'est beaucoup de quêtes rébarbatives, aller chercher tel objet ou enfin voilà, tel zombie pour obtenir tel ingrédient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de quêtes, c'est rébarbatif. Aller sauver quelqu'un, aller ramasser ça et tout ça. Bon, ok.
Mais ça a été fait dans le jeu, et donc ça mérite d'être joué, au moins une fois. Et donc, pour en revenir à Dying Light, comme je disais, première fois, par une QTE, justement, le jeu se termine en QTE, avec une petite scène finale bien sympa, donc je vais pas vous raconter au cas où vous n'aurez pas fait le jeu, mais... Bon, après, voilà, connaissant la société qui a fait le jeu, enfin, qui a développé le jeu, hein, bon, édité par Warner, développé par Techland. Techland à qui nous devons le très bon Dead Island. Dead Island et Dead Island Riptide. Bon, mais en fait, ce jeu, ils sont très zombies, hein. Ils sont vraiment très très zombies dans ce jeu. Dead Island, on passe à Dying Light, qui est un jeu de zombies aussi. Mais bon, vu qu'ils sont spécialisés dans ça, je vois pas pourquoi ils sont. Pourquoi ils s'en passeraient, hein. Ils sont bons dans ce domaine, alors. Autant qu'ils continuent. Même pas de pièces. Oh les rapias. J'en suis à 7 mini-kits sur 10 et je n'ai plus que 2. 2 flèches. Ok, allez, crash. Voilà. Bingo. Allez, fuyez. On va la détruire, la caisse. Pour laisser le lieu entièrement propre, comme j'aime bien faire. À chaque fois, je détruis tout pour tout laisser nickel chrome. Monsieur, j'ai aucun personnage qui sait arroser les plantes. Heureusement que j'ai débloqué Madame... je me rappelle plus comment elle s'appelle. Femme du docteur Alan Grant. Voilà. Ah bon. Ça donne juste une fleur qui donne des pièces. Et rien d'autre. Allez, prends le feu. Dans les herbes hautes, c'est la pire idée du monde. Je peux pas dire, j'ai mon rhume des foins qui me reprend. Bon, mais là, on est dans une zone où on ne peut rien faire à part subir la lenteur du jeu, puisque c'est scripté. C'est scripté, et puis de toute façon, les pièces qui sont apparues là-bas sont impossibles à obtenir. C'est que les dinos ont créé. Malheureusement, pas les avoir. Bon, c'est pas grave, hein. On n'est pas pour quelques pièces, hein. Bon, allez, 5 multiplicateurs, je suis déjà à 64 000, donc... en standard, on y arrive facilement à obtenir la barre véritable survivant. Alors, par contre... Ça surprend à chaque fois, c'est QTE. Ouais, ça surprend. C'est surtout le dinosaure qui surprend quand il saute. D'où l'utilité de mettre à Peggy 7, donc au minimum 7 ans, même si ce soit pas extrêmement violent comme jeu. Il y a des petites scènes comme ça où on peut sursauter quand on s'y attend pas. Par exemple, je me rappelle quand on devait remettre le courant. C'est ça ou pas? Ouais, voilà, quand on remettre le courant une fois qu'on est sorti dehors, on a une bestiole qui me saute dessus. Je sais plus si c'est dans le générateur ou si c'est dehors. Bon, il y a celle de dehors, c'est sûr. Quoi que non, c'est pas dans le générateur. Il y a une odeur à sentir. Attends, tu peux y aller, cool. Allez, gratte, quelqu'un me sortir. Ah,
toi tu m'as suivi. Oh, ça va plus vite avec lui. Hop. Là-bas on ira après. Là il me reste une petite plante. Donc il me faut le professeur Fisser Grant. Voilà, pardon. Allez, coupe-moi cette plante. Ah, c'est bien pratique de finir le jeu au moins une fois. On obtient tous les personnages indispensables pour venir à bout de des 10 000 équipes par niveau. Hein. Encore faut-il trouver. Voilà. Mince, c'est qui? Ah oui, lui. Voilà. Et 10. Ah ah. Et la brique ample n'est pas donnée. Ce n'est pas donné. Ne dis pas que je l'ai raté sur la première partie. J'espère pas, hein. Ce serait vraiment con. Hmm, 16 minutes d'enregistrement. Non, il me reste encore un morceau, je pense. J'espère du moins qu'il me reste un morceau. Salocupe le temps qu'il ait ce déjeuner. Maintenant c'est la tondeuse. Ah, est-ce que j'en ai un professeur Elisa Tler, voilà. Ah non, c'est une photo de propre, d'accord, autant pour moi, je crois que c'est une plante à faire pousser. D'accord, on débloque la brique ambre en sauvant les personnages, les 5 personnages. Bah c'est bon, alors je crois que j'ai fini l'enregistrement. Bah j'imagine. Ils disent que le centre de communication est dans le centre des opérations. Alors je vais y entrer et lancer l'appel radio, d'accord? On se retrouve là-bas. Attends-nous. Chaque seconde compte, s'il y en a qui veulent me suivre, ils sont les bienvenus. Oh bah dis donc, ce niveau-là était bien vite terminé, je trouve, malgré qu'il y ait eu les cinématiques en plus. 20 minutes pour celui-là. Bah écoutez, ça me fera une vidéo moins longue pour vous à regarder, mais en plus ça me fera du temps de gagner au niveau du rendu, et surtout de la taille d'upload. Ça va être bien pratique. Bon alors ça, 100%, je l'avais déjà débloqué en solo, vers étape survivant, hop, voilà. Alors, j'ai pas encore eu le succès qui consiste à avoir véritable survivant partout, puisque je n'ai pas fait les niveaux bonus. Qu'est-ce que c'est, ce dino? Ah, le Galliminus. Non, comment il s'appelle? Genre son nom qui va s'afficher. Non? Le Parazolorophus. Oh putain, c'est quoi ce nom? Bon, je remarque que je n'ai toujours pas de brachiosaure. Bon, c'est bizarre. J'espère qu'elle a quand même tombé, pas le dernier, parce que ça, j'aimerais bien avoir les niveaux. Ok, donc on est retombé sur le niveau principal, donc il faut le continuer. Dans ce monde-là, il n'y a qu'un seul niveau caché qui est ici. Voilà, suite du Tyrannosaurus Rex. Là, le seul objectif, c'est de terminer en ayant le plus de pièces, donc du coup, remplir la jauge. Voilà, pourquoi je vous disais, je n'avais pas encore obtenu le succès d'avoir tous les survivants, les véritables survivants, donc les barres à remplir, parce qu'il me reste tous les niveaux secrets. Donc, si je regarde, ici, il y en a un seul niveau. Dans le premier Jurassic Park, il y en a deux. Il y a celui-ci, et il y a celui-ci. Dans le Jurassic Park 3, il y a un niveau. Et dans le Jurassic Park
4, enfin Jurassic World, pardon, du coup, il y en a 2. Donc voilà, un ici, suite de l'Indominus, et ici, poursuite de l'Indominus Rex. Voilà. Donc ça fait 6 niveaux. Ah, ça va faire une vidéo un peu plus longue que les autres, mais bon, c'est pas méchant. Bon, ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Un pouce bleu égale un merci, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo en dessous. J'y réponds à chaque fois, il n'y a pas de souci pour ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur mon pseudo en bas de la vidéo ou sur le côté, ça dépend si vous êtes sur tablette ou smartphone ou sur PC, hein, ça dépend en fait. Donc vous cliquez sur mon pseudo et vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Vous pouvez très bien suivre aussi le lien direct de confirmation dans la description, en bas de la description. Comme ça vous pourrez retrouver toutes les vidéos déjà présentes, plus les futures qui vont être postées. Donc il y aura d'autres let's play, la suite de ce let's play, des tutos, des tests découvertes, des unboxing, etc., etc. Il y a pas mal de vidéos à venir pour les semaines et mois à venir sur la chaîne. Voilà. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi que j'ai une page Facebook dont le lien s'affiche en ce moment même en bas de cette vidéo, mais aussi dans la description. Vous pouvez liker cette page pour suivre toute l'actu qui a un rapport avec la chaîne. Donc les dernières vidéos postées, mais aussi toutes les news qui ont un rapport avec la chaîne YouTube. Hein, parce que justement, là je suis en train de vous enregistrer la vidéo, nous sommes mercredi 8... non, mercredi 5... 5 août, voilà. Normalement la vidéo aurait dû être postée ce matin. Je n'ai pas pu à cause de Windows 10 qui m'a bouffé tout mon temps. Et oui, pas au niveau de l'installation, non, non. Je suis allé l'acheter hier en boutique informatique et il s'est avéré que le revendeur m'a fourgué une version OEM qui n'était pas du tout adaptée à une licence pour moi, quoi. Je veux dire, si je l'active sur mon PC en étant OEM, si je change la carte mère ou le processeur, ben, ma licence sera du coup invalide car associée au matériel, à l'identifiant matériel. Donc j'aurais pas pu réinstaller et payer 130€ une licence qu'on ne peut utiliser qu'une fois, c'est un peu con. Donc bon, Microsoft m'a dit au téléphone qu'il fallait que je rende cette licence auprès du revendeur, parce que c'est une licence qui n'est pas pour moi, elle est uniquement réservée au revendeur mais aussi au constructeur de PC. Et vous auriez vu la gueule de la boîte, hein, c'était juste une pochette avec le DVD dedans, un DVD 64 bits, et la clé de licence qui était collée sur la pochette. Ça ressemble à une pochette CD single, quoi, avec juste les bordures un peu plus épaisses, mais voilà, un truc tout moche, quoi, un truc qui n'était pas du tout pour le public. Et donc du coup, bah, je suis allé le rendre et j'ai perdu mon après-midi entre aller le chercher, aller le ramener, le rendre au magasin et tout le bazar. Donc bon, j'ai perdu l'après-midi, j'ai pas pu enregistrer. Donc c'est pour ça que je la fais que maintenant, voilà. Bon, je vais arrêter d'épiloguer ma vie et je vais conclure cette vidéo ici. Voilà. Bon, ben en attendant de vous retrouver pour la suite de ce let's play, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.